Coucou tout le monde, c'est Tuto Pratix. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment accélérer la connexion d'Internet. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Alors avant, je tiens à vous préciser que ce ne sera pas une connexion accélérée au maximum, ce ne sera pas une connexion de ouf, mais ça va rendre plus fluide votre navigateur. Donc navigateur Firefox, navigateur Google Chrome et navigateur Opera. Ça ne fonctionne pas sur le navigateur Safari. Voilà. Je préfère vous dire ça de suite. Donc, commençons de suite le tutoriel. Donc, pour commencer le tutoriel, on va cliquer sur Démarrer qui se trouve ici. Donc, pour ceux qui ont Windows 8, vous allez sur la barre des charmes. Donc, là, vous cliquez sur Panneau de configuration. Ensuite, quand vous êtes là, vous cliquez sur Réseau et Internet. Puis, vous cliquez sur Centre réseau et partage qui se trouve juste en haut. Là, vous cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Donc, qui se trouve ici. Ce sera tout simplement dans cette barre ici. Okay. Là, vous aurez plusieurs connexions. Voilà, vous cliquez sur la vôtre. Moi, voilà, donc c'est moi, c'est Numericable C9 3D. Donc, vous voyez, tout est vert, tout est bien. Vous cliquez droit sur votre connexion. Pour moi, c'est ça. Vous cliquez sur Propriétés. Vous patientez. Et là, vous cliquez tout simplement sur Protocole Internet version 4. Qui se trouve juste ici. Puis vous cliquez sur Propriétés. Ici, vous allez tout simplement, donc moi c'est comme ça parce que j'ai déjà fait, donc vous ce sera comme ça. Donc tout simplement, vous, il faudra cliquer tout simplement sur ça. Et quand vous avez cliqué dessus, vous allez taper la commande suivante. Donc 8, 8, 8, 8, 8. 8, 8, 4, pardon, et 4. Donc voilà, 8, 8, 8, donc 4 fois 8, 2 fois 8 et 2, 4. Donc n'inversez pas les nombres, faites-le très bien, parce que sinon ça brouillera tout. Là, vous cochez bien ça, ok? Vous faites OK. Là, vous faites fermer, et là, il y a une toute petite détection des problèmes qui va se lancer. Vous patientez quelques instants, et ça va s'arrêter. Donc vous patientez, la détection des problèmes, ne vous en faites pas, c'est rien. C'est juste, voilà. En gros, ça vous dit que c'est bon. Là, vous faites fermer, puis vous pouvez quitter. Donc sinon, je vais vous dire que j'ai une page Facebook, je vous le rappelle. Donc elle sera dans la description, la page, hein. Je mets des infos, j'explique pourquoi je vais changer de pseudo Facebook. Donc allez jeter un coup d'œil. Donc le pseudo va venir T6 Maker, au lieu de Tuto Pratix. Allez voir. Allez voir, j'explique tout, tout, tout dans ma page Facebook. Donc, elle sera dans la description. Ensuite, je tiens à vous préciser aussi que je suis en train de créer ma page web. Voilà. Je vous ferai parvenir des infos quand ce sera terminé. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne. Ne vous abonnez pas par intérêt. Abonnez-vous parce que vous en avez envie. Parce qu'avoir des abonnés inactifs, ça ne sert à rien. C'est... Voilà. Voilà. Ensuite, likez la vidéo, partagez-la dans les réseaux sociaux que vous connaissez et si vous en avez envie, bien sûr. Ensuite, si vous ne me connaissez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à regarder toutes mes autres vidéos pour voir un petit peu ce que je fais. Donc là, il apparaît plusieurs liens sur l'écran, plusieurs annotations. Donc cliquez dessus si vous voulez voir un petit peu ce que je fais. Voilà. Allez, ciao les gens.